Bonjour à tous, comment allez-vous Aujourd'hui, je souhaite regarder l'avenir du Parti des Républicains. Pourquoi Tout simplement parce que euh, vous l'avez suivi peut-être dans l'actualité, les Républicains négocient avec Elisabeth Borne sur les retraites, ils ne sont pas opposés à voter les retraites, etc. Bref, vous l'avez entendu euh, soit à la radio, soit à la télé, on, euh, ça en parle partout. Avec cette prise de position, je m'interroge. J'ai regardé dernièrement la chaîne Juste Milieu. Rémi, effectivement, évoquait que ça signait peut-être la fin des... du parti LR. Eh bien, je vais regarder si c'est vrai, si ça se concrétise dans les faits. Alors, pour ceux qui souhaitent une, qui souhaitent, pardon, une voyance personnelle, n'hésitez pas, je le fais gratuitement par mail. Vous pouvez m'écrire sur gmail.com je vous répondrai dans un délai d'une ou deux semaines, voire peut-être parfois plus rapidement. Euh, N'oubliez pas, vous me posez vos questions et vous le faites avec votre date de naissance, s'il vous plaît. Ce n'est pas une voyance générale, hein. je vous le dis tout de suite, c'est en réponse à une question précise. Ne me demandez pas une voyance générale gratuitement, ça demande beaucoup d'énergie et ça, je ne peux pas le faire comme ça. Regardons l'avenir du parti Les Républicains. Voyons voir comment ça va évoluer pour eux. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe. Déjà, ça commence mal pour eux. Ça commence mal parce que nous sommes sur la carte du diable. Alors, le diable, c'est revenir à ses bas instincts. Le diable, c'est un petit peu une idée de euh, de céder à la tentation. On y sent quand même l'envie chez les républicains de céder à la tentation du pouvoir. Oh, c'est pas difficile à comprendre. Promesse macronienne et de se dire que messieurs, si vous votez ma réforme des retraites, eh bien en contrepartie, on vous donnera une part du gâteau dans le pouvoir sur un prochain gouvernement. L'idée est donc bien là. C'est quelque part euh, une forme de faiblesse des républicains. Parce qu'on voit le diable ici, finalement, enchaîner les républicains qui baissent la tête euh, et les anciens socialistes qui sont passés sous Macron. On peut le voir comme ça, le symbole, il est clair. Hein républicains et socialistes, à gauche. Et à droite, quand on regarde la carte, sous la coupe d'un Macron représenté par le diable. Et vous voyez que tous les deux, enchaînés, quand on voit ce qu'ont devenus les socialistes restants, on peut se poser la question de savoir qui a été le grand perdant. Et il semblerait que rien qu'avec ça, les républicains, en prenant cette décision, se dirigent vers le même destin funeste. Voyons s'il y aura réaction ou pas, parce que qu'est-ce qui va aller contre finalement Eh bien, ça n'augure vraiment rien de bon pour eux. Je suis désolé, j'ai beaucoup de lumière sur la carte. Alors, regardez ici, nous avons cette tour qui prend feu, qui prend la foudre, le frappe. Et puis, ça tombe du haut de la tour, les dirigeants tombent même le chef de parti éric ciotti va tomber on sent bien que quelque part avoir pris la décision de négocier c'est avoir laissé rentrer le diable chez les républicains on sent que l'édifice du parti va être frappé par la foudre que tous vont tomber alors dans les faits qu'est-ce que ça se concrétise eh bien ça concrétise tout simplement que euh, pour les réélections des républicains qui ont si peur pour leur siège en adoptant le chemin du, du parti de Macron sur les retraites, ça sonne le glas pour, ce, pour les députés de ce parti. On a ça qui va arriver rapidement et qui va se traduire dans les, dans les votes très rapidement finalement. Des élections vont avoir lieu, hein, on le sait, la vie française, la politique française est émaillée d'élections régulièrement. Hein, pas comme aux États-Unis où tout, quasiment tout est voté en un seul bloc. Et bien là, au fil des élections, les républicains vont voir leur poids s'effriter. Quelque part, je confirme les propos de Rémi, c'est un petit peu la mort du parti qui se profile. Est-ce qu'elle va se concrétiser On va le découvrir. Mais déjà là, tous les ingrédients sont réunis pour envisager la mort des Républicains. Elle conseille, eh bien, le conseil serait de trouver l'équilibre et de jouer un jeu d'équilibriste, c'est-à-dire de, euh, de ne pas rentrer dans le jeu de Macron et de trouver plutôt leur propre équilibre avec cette épée coupée qui leur permettrait de valider une motion de censure, tout simplement. Remettons-le dans les faits. La justice, c'est bien ça. C'est trouver un équilibre. J'essaie de vous mettre la carte pour que vous la voyez bien. C'est de trouver un équilibre pour pouvoir, le cas échéant, trancher. Trancher dans le vif. Regardons ce que vont faire les. Les choses vont vite, les choses vont s'accélérer. Ça va trop vite pour les républicains. Ils cèdent trop vite. À toute forme de tentation de pouvoir. On sent des républicains qui, finalement, ne sont pas des grands politiciens, bien loin des politiciens qu'on avait naguère. Et ce n'est pas il y a 100 ans. Qu'on soit d'accord ou pas, les années 70 avaient des politiciens plus aguerris, plus fins, de tous bords. Là, nous avons des gens qui, sont, qui cèdent à la première promesse venue. Mais pour autant, pour autant, il semblerait que quelque part, une forme de, de subsistance va perdurer. Vous voyez, les choses vont aller vite. Ça va s'accélérer, tout va s'accélérer pour les républicains. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas voter la réforme des retraites Macron. Attention, ce n'est pas ce que ça dit. Mais quelque part, l'oracle est en train de suggérer que le parti lui-même, c'est le parti, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas par exemple un Eric Ciotti, hein, ce n'est pas, euh, pas ces gens-là, ni un Olivier Marleix. C'est plutôt l'idée des républicains va perdurer. Le parti ne va pas disparaître. Parce qu'à un moment, les républicains vont comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Et là, il y aura un sursaut d'orgueil chez eux. Mais ça va passer quand même par la foudre, ça va passer par une sacrée claque pour les républicains. Si je devais vous analyser et vous faire simplement un, un résumé, je dirais que ils vont prendre une bonne claque avant de comprendre qu'ils ont fait l'erreur et de tenter le redressement et de le réussir finalement. Sur le temps, ils le réussiront. Mais en attendant, ils vont prendre quand même les chefs républicains, c'est-à-dire ceux qui négocient en ce moment, eux vont dégager. Visiblement, il reste des politiciens plus fins dans les troupes, mais qui n'ont pas le pouvoir. Les dirigeants actuels des républicains, eux, vont tomber. Mais les suivants, il y aura des gens qui vont pouvoir se reprendre. Alors oui, bien sûr, vous me direz, on ne peut pas leur faire confiance. Et comment agir autrement Puisque quelque part, là, ils viennent de se trahir, de trahir les gens qui ont voté pour eux. Mais leur avenir n'est pas aussi mauvais que l'avenir des socialistes, par exemple. Ils vont arriver à se redresser. Et en se redressant, je vois plus des gens proches de Dupont, Philippe Séguin, Philippe de Villiers, des gens qu'on dit maintenant souverainistes, même si Philippe Séguin est décédé, hein, vous le savez tous. Mais vous voyez, de cette ligne-là, plus équilibrés dans leur prise de mesure et pas totalement inféodés un Olivier Macron, euh, un Olivier Macron, un Emmanuel Macron qui lui va justement complètement faire tomber Olivier Marlex, euh, Eric Ciotti. Les dirigeants qui auront trouvé cet accord, leur destin sera funeste. Pour les autres, l'heure viendra d'une reprise en main. On sent ce parti se scinder en deux. Se scinder en deux, et regardez finalement, ce n'est autre que la justice avec ses deux plateaux, presque... Faire moitié moitié et repartir, c'est un peu l'idée. Finalement, c'était le conseil aussi de garder la possibilité de trancher. Ils n'écouteront qu'à moitié. Voilà, les amis. Eh bien, j'en termine pour ce tirage sur l'avenir des Républicains. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.